se referme. Papa, je peux avoir ça? Seulement si c'est toi qui le payes. Mais tu sais bien que j'ai pas d'argent. Bon, dans ce cas, on ne l'achète pas. J'en ai très envie. Eh bien, comme on a coutume de le dire, c'est pas de chance. Oh, c'est surtout pas juste. Bien au contraire. Enlevez-le! Oui, enlevez-le-moi! Enlevez-le-moi! Oh, des glaces! Bonjour les filles. Continuez à avancer. Oh, on pourrait pas avoir une glace? Non, personne ne mange de glace aujourd'hui. Pourquoi tu dis non? Parce que vous en avez mangé une hier, il faut éviter de manger trop de sucre. Oh non, c'est pas juste. Mais si, bien au contraire. Alors pourquoi est-ce que Muffin a droit à une glace, elle? Muffin n'aura pas de glace non plus. Chouette, j'ai eu une glace! Tu vois? Oh, bravo, je te remercie. Écoutez les filles, j'ai offert une glace à Muffin parce qu'un dinosaure s'était accroché à sa tête. C'était un vélociraptor en plus. Oh, c'est vraiment pas juste. Non, au contraire, c'est très juste. Peut-être que Muffin vous laissera y goûter. Alors ça compte pas trop dessus, mon vieux. On peut en prendre un peu, s'il te plaît? Papa! Ah, bon, c'est d'accord, je vais vous acheter des glaces. Oui, chic, une glace! Cet épisode de Bluey a pour titre Les glaces! Regarde, il y en a à la mangue! Aujourd'hui, c'est le plus beau jour du tout de ma vie! Ah, notre ferry est là, Muffin! Au revoir, les filles! Au revoir, Bluey! Au revoir, Bingo! Eh, hey, les filles, Oncle Stripe et Muffin sont en train de vous dire au revoir. Au revoir, Muffin, et au revoir, Oncle Glace à la fraise. À plus, frérot. Bon, il va falloir finir ta glace avant de monter à bord du ferry, ma puce. Vous avez fait votre choix? Oui, je vais en prendre une à la mangue, s'il vous plaît. D'accord, une mangue, s'il vous plaît. J'en veux une très très grosse. Une minuscule, s'il vous plaît. Oh non, ça c'est pas juste. Bien au contraire. Bluey, tu veux quoi, toi? J'arrive pas à me décider. J'hésite vraiment beaucoup entre mangue comme Bingo et fraise. Je peux choisir deux parfums? Non. Oh, c'est pas juste. Si, au contraire. D'accord, alors je vais prendre fraise, s'il vous plaît. En cornet. Je pourrais toujours goûter la glace de Bingo. Ça fera 6 dollars. Merci beaucoup. Et toi, tu prends quel parfum, papa? Moi, je n'en prendrai pas. Je tiens à garder la ligne. En attente de connexion. C'est un tout petit peu long. Vous pouvez y aller. Oh, c'est bon. Allez, mettez-moi un grand pot de glace au chocolat. Hourra! J'ai vraiment un problème. Tout le monde est content? Oui. Tant mieux. Elle est bonne, la tienne? Bien sûr, c'est du chocolat. Bingo, je peux goûter un peu de ta mangue? Ça y est, ça commence. D'accord, mais seulement si je peux aussi goûter à la tienne. Bien sûr. Ah, non, t'en prends pas trop. Mais j'allais pas en prendre beaucoup, je t'assure. Oh, mais si, je t'ai vu, t'avais la langue complètement sortie. Non, c'est même pas vrai. Si c'est vrai, elle était comme ça. Blah. Non, elle était juste sortie comme ça. Blah. Non, elle était sortie jusque là. C'est même pas vrai, elle était sortie jusque là. Il faut que tu la sortes seulement jusqu'ici. C'est d'accord. Ça va, là tu peux y aller. Une seconde, si je la goûte en premier, et si toi tu le fais en deuxième, tu risques d'en prendre bien plus que moi. Oh, Bluey. Non, pas du tout. Je suis sûre que si. C'est toi qui commences et moi je passe après. Mais du coup, c'est toi qui vas en manger plus que moi. Non, je t'en donne ma parole. J'ai pas confiance. Bon, les filles, il va falloir trouver une solution. On peut pas toutes les deux goûter la glace en deuxième. On fait comment alors? J'ai une idée. Chacune goûte en même temps la glace de l'autre. Oh oui, c'est une super idée. Bravo. Bon, allez, tu es prête? Oui. Donc, on va manger la même quantité de glace. Tu es bien d'accord? Oui, c'est d'accord. Montre-moi jusqu'où tu tires la langue quand tu la sors. Bla. Bon, c'est d'accord. Ça me va. Attends, on va me montrer la tienne. Bla. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Bon, alors tant mieux. Non, tu tires beaucoup trop la langue. Arrête, t'en tires trop. Les filles, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Tu la tires trop? Non, rentre pas là. Ne la sors pas trop. Rentre-la, rentre-la, oh, pas trop quand même. Chérie, et vous étiez au soleil. Le soleil, ça fait fondre les glaces. Mais c'est vraiment pas juste.
Je dirais plutôt que c'est tout à fait naturel. Est-ce que tu voudrais bien nous en acheter une autre? Ben, c'est hors de question. Oh, et pourquoi c'est non? Parce que c'est pas de ma faute si elles ont fondu. Vous avez mis trop de temps à les manger. Du coup, on aura eu rien du tout. Au contraire, vous avez reçu une belle leçon de vie. Mais moi, ça m'intéresse pas de recevoir des leçons de vie. La seule chose qui m'intéresse, c'est de manger une glace. Oh, oh, oh! Bon, allez, vous savez quoi? Vous pouvez manger la mienne. C'est vrai? T'es sûr? Oui, prenez-la, tenez. Oui, merci, papa. Hein? On va faire chacune à son tour. Tu peux commencer. Prends-en autant que tu veux. Merci, c'est très gentil. Est-ce qu'elle est bonne, alors? Oui. À ton tour, j'en ai pris qu'un tout petit peu. Merci, Bingo. Je vous félicite, les filles. C'est même encore meilleur qu'à la mangue. Oui, puisque c'est du chocolat. Je suis désolée que cette histoire te prive de glace, papa. Ça ne fait rien, chérie, y a pas de souci. Et de toute façon, c'est quand même ton rôle de nous faire cadeau de ta glace. Oh, tu en es sûre? Et pourquoi donc? Parce que t'es un vrai papa gâteau. C'est plutôt bien vu, mon petit chou à la crème. La plage! Cet épisode de Bluey a pour titre La plage! Maman, à la plage! À la plage! À la plage! Oh, pauvre maman, elle se retrouve toute seule. Maman aime bien être au calme. Oh, je me demande pourquoi. À la plage! Attention, voilà une très grosse vague. On se prépare, attention les gars, on saute. Bon, je vais faire une petite promenade sur la plage. Pourquoi tu aimes bien te promener toute seule? Je ne sais pas trop, à vrai dire. J'aime bien, c'est tout. À tout à l'heure, ma petite sirène. Waouh, tu as vu ce coquillage? Oh, waouh! Je peux le montrer à maman? Oui, c'est d'accord. Va la retrouver. Bingo et moi, on t'attend ici. Ah oui? Je peux y aller? C'est bien maman, là, qui porte le chapeau orange devant nous? Oui, c'est bien elle. Et je peux marcher jusque là-bas toute seule? Oui, oui, je garde l'œil sur toi. Je peux y aller pour de vrai? Oui. Par contre, ne va pas dans l'eau. Bon, d'accord. Mais comment tu vas la rejoindre sans jambes, petite sirène? Ah oui, c'est vrai. Tu peux être le roi Neptune et me donner des jambes. Oui, bonne idée! Voici des jambes! Ouh. En fait, elle est un petit peu loin quand même. Mes chères petites sirènes, tu peux suivre les traces de pas de maman? Ah oui! Merci, roi Neptune! Bonne chance! Moi, je suis la sirène à qui on a donné des jambes! Mais ça ne durera qu'une seule journée, petite sirène, alors profites-en bien! Oui, comptez sur moi! Mesdames les mouettes, pourriez-vous vous pousser? Une petite sirène aimerait passer. Papa, tu peux... Ah, c'est vrai. Papa est resté là-bas. Bon... Dans ce cas... Vague. Tu as effacé toutes les traces de pas de ma maman. Ouh. Une palourde. Une palourde qui sort pour faire pipi. Ah, salut toi. Où est-ce que tu t'enfuis, mademoiselle? Pince-y, pince-moi. Je suis la petite sirène qui marche avec des pattes de crabe. Où est-ce que tu vas, pince-mi, pince-moi? D'accord, au revoir. Oh, le petit pot orange de maman grossit de plus en plus. Maman, j'ai ramassé un coquillage, il faut que tu le vois. Oh zut, elle peut pas m'entendre, il faut que je me rapproche. J'arrive, maman. Ah, une méduse.
qui vivaient là. C'est peut-être ici que vivent les autres sirènes. Bonjour. Tu voudrais bien te pousser? Il faut que je montre ce coquillage à ma maman. Je devrais peut-être revenir sur mes pas. Oui, je commence à en avoir assez de me promener toute seule. Oh, papa n'est plus qu'une tache bleue au loin. Je peux pas repartir en arrière. Je peux pas avancer non plus. Alors je vais aller où? Les traces de pas de maman. La petite sirène doit être courageuse. Je suis une petite sirène qui a deux jambes, mais seulement pour une journée. Merci de vous être poussé, Monsieur Pélican. Chloé, maman. Est-ce que tu as fait tout ce très long chemin toute seule? Oui. Je suis une petite sirène avec deux jambes. Tu es passée à côté de la méduse alors? Oui, et du pélican. Et j'ai vu tout un groupe de crabes. Oh, tu es une vraie championne. Écoute bien ce bruit. Toute seule. C'est vrai? Et pourquoi? Je sais pas trop. J'aime bien, c'est tout. Mais me promener avec toi, j'aime bien aussi. Oui, je suis au courant. Bon, allez, il ne me reste plus qu'un vêtement à étendre sur ma corde à linge. Et voilà! Oh, tout mon linge propre est étendu sur la corde. Maintenant, je vais pouvoir me détendre. Le vent a soufflé si fort que tout mon linge s'est envolé. Oh, c'est vraiment pas de chance. Il faut que je le récupère. Madame Bouvier. Oh, désolée, Pom-Pom. C'est difficile pour toi de sauter de cette hauteur, n'est-ce pas? Exactement, Madame Bouvier. Les loulous de Poméranie sont une race de chiens de petite taille. Voilà, je te repose. Maintenant, je vais récupérer tout le reste de mon linge propre. Oui. Reviens ici, tête de traversin. Madame Bouvier. Oh, j'arrive pas à monter. Je vais pas jouer au jeu du linge avec vous. Pom-pom. Mais je suis toujours enthousiaste. Je continue à y croire. Enfin, je tente ma chance, tu vois. Oh, pauvre Pom-pom. En fait, elle est un peu trop petite pour jouer à ce jeu. Être petit, ça n'est pas du tout un défaut, ma choupinette. Ébloui. Viens, on va jouer à la balançoire. D'accord. Cet épisode de Bloui a pour titre la balançoire. On va très haut sur la balançoire rose. Oh, j'espère vraiment qu'il reviendra dans la saison 4. Oui, c'est prévu. Tu n'as pas vu la bande-annonce? Mais non. Quelle bande-annonce? Oh, il est en Russie ou un autre pays. Chouette, alors. C'est clair. Elle est à moi. Hé, descends tout de suite. Oui, descends, oust. On y était en premier. Mais toi, tu n'y es plus. Allez, Bingo, donne-moi un coup de main. Oh, un bon petit massage. Oh, cool, merci beaucoup. Oui, un tout petit peu plus bas. Oh, oui, c'est pile au bon endroit. Attrape vite son bras. Oh, oui, un massage taille. Oh, c'est un vrai bonheur. Oh, va-t'en, grand méchant chien bleu. Non. J'ai une petite idée. Suis-moi, Bingo. On va le faire tomber en se balançant à deux. Oh, oui, génial. C'est parti. Oh zut, on n'est pas assez lourde. Eh oui, je suis plutôt costaud, moi. Hé, hey, Chloé, monte avec nous pour faire tomber papa de la balançoire. Oh, bon, d'accord. Ouh, on va peser plus lourd que toi maintenant, monsieur le costaud. Ouh, j'ai tellement peur. Allez, assieds-toi bien, Chloé. Zut, on n'est toujours pas assez lourde pour lui. Il doit peser autant qu'un hippopotame, alors. Ah, ça suffit, je vais tout dire à maman. Ouais, va pleurer dans les jupes de ta mère. Maman! Tu vas drôlement te faire disputer. Coucou. Maman, papa est assis sur notre balançoire et il veut pas du tout descendre. Oh, le vilain garçon.
Un petit hot dog pour toi, mon chéri. Oh, merci beaucoup, ma tendre et chère. Ah, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu donnes pas à manger. Sinon, il va peser beaucoup plus lourd. Ça remplit bien l'estomac. Allez, amusez-vous bien, les enfants. C'est vraiment n'importe quoi. C'est incroyable, les adultes refusent de nous aider. Il faut appeler d'autres enfants à la rescousse. Tourne. Coco, on a besoin de toi. Ah oui, qu'est-ce qui vous arrive? On essaye de faire descendre papa de la balançoire. Oh. Mais à nous trois, on fait un tout petit poids. Oh. Et en plus, il n'arrête pas de se gaver de saucisses. Oh, zut. Est-ce que toutes tes petites bouclettes pèsent lourdes d'après toi? Oui. Tant mieux, suis-moi. J'ai emmené Coco. Hourra. Oh. Oh, chouette, ça marche. Les bouclettes de Coco ont ajouté le poids qu'il fallait. Hourra. Oh. Ça s'est arrêté. On dirait qu'on pèse toujours pas assez lourd pour lui. Je suis désolée. C'est pas du tout ta faute, Coco. C'est de la sienne. Wow, il nous faut un autre renfort. Oh, oh, allez, Sneakers, on a besoin de toi. Mais je suis en train de jouer sur A. Tu viens, en route. Oh, toi, tu vas voir, on va te régler ton compte. Maintenant, on a un tickel avec nous. Louis, regarde ce qu'il a dans les mains. Hein? Oh, Rodney, mon petit chéri, tu es tellement lisse. Il a une pierre doudou. Quoi? Oui, il vient de la ramasser par terre. Ne vous inquiétez pas, Sneakers pèse plus lourd qu'une pierre. Oui ou non? Je crois que oui. Allez, monte vite vers nous. D'accord. On va y arriver, ça va marcher, je le sens. Oh, t'as vu, Rodney, tu peux avoir une pierre à câliner, toi aussi. C'est une blague? Regardez, sa pierre doudou a aussi une pierre doudou. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Descends de notre balançoire immédiatement. Allez, boost. Et pourquoi est-ce que je descendrais de ma balançoire? Il faut trouver une solution. On n'a plus aucun ami à appeler. Moi, je ne dirais pas ça. Et comment se porte ton papa? Papa! Viens par ici, vite! Ok, j'arrive tout de suite! Viens là, j'ai besoin de ton aide! Et me voilà! Pom-pom, monte vite sur la balançoire! Oui, d'accord! Mange une croquette! Oui! C'est bien, continue! Vas-y! Me voilà, j'arrive! C'est bien, elle réussit! Vas-y, Pom-Pom, avance encore un peu! Hey, il se passe quoi là au juste? Pom-Pom! Viens par là, ma mignonne! Pom-Pom! Ouh, j'ai eu drôlement chaud! Dépêche-toi, Pom-Pom! Remonte toute la pente! Je vais le faire! Continue, vas-y, viens faire! Oui, c'est ça! Les loulous de Poméranie sont de petite taille, mais ils sont très robustes! Continue, regardez, rien. Ça marche! Oh, 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 arrêtez tout de suite! Tu vas y arriver, tiens bon! Oui, j'ai réussi! À l'aide! J'aime pas être bloqué là-haut! Bien fait pour toi, vilain méchant! Oui! C'est notre balançoire! J'exige que vous me fassiez redescendre immédiatement! Oh, d'accord! Alors on va tous se lever en même temps! Vous êtes prêts? On est prêts! Attendez, une seconde! Et hop! Tous sur lui! Non, à l'aide! Au secours! À moi! Et voici venir Madame Araignée! Oh non! Ah, je suis laid! Oh, t'es une coquine, petite mouche! Est-ce que je peux faire l'araignée, Bingo? Bien sûr que oui! Mais voyons, t'es trop petite pour jouer l'araignée! Non, pas du tout! Non, elle n'est pas trop petite! Les loulous de Poméranie sont de petite taille, mais ils sont très robustes. Il fait chaud. Oh, il fait trop chaud. Maman, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Rien, tant que vous ne vous serez pas brossé les dents. Mais je n'ai pas envie de me brosser les dents. Ça m'ennuie. Mais les choses ennuyeuses sont importantes. Non, ça c'est faux. Je croirais entendre ton papa. Hé, hey, les filles, l'oncle Strut veut bien qu'on utilise sa piscine pendant qu'il est à Bali. Oui. Attention, tout le monde se met en route. Vérifiez que vous avez tout ce qu'il faut pour la piscine. Oui, oui, on a tout pris. Ne prends pas que les jouets, prends bien le sac de piscine. C'est bon, on le sait. Oui, c'est bon, on le sait. Moi, je trouve qu'il fait plutôt bon. Cet épisode de Bluey a pour titre la piscine. Maman est souvent casse-pied, tu ne trouves pas? Oui, c'est clair. Elle nous oblige tout le temps à faire tout plein de choses ennuyeuses. Oui, c'est vrai. Toi, tu es bien plus drôle. Je suis d'accord. Papa, comment ça se prononce? A, 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 B, 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 U, 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 K, 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 J, J, K, K, K.
Ça fait quoi? Oubeba cacaillo. C'est chaud. Alors enfile tes tongs, ma puce. Je les ai pas prises. Ah, d'accord. Comment on va s'y prendre? Bingo, mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Je suis une girafe et je suis en train de manger ses feuilles. Quelqu'un peut m'ouvrir ce portillon? Oh. Papa, tu peux me donner mon maillot de bain? Tu l'as emporté? Non. Dans ce cas, non. Papa, est-ce qu'on a pris de la crème solaire? Oh non, j'ai carrément oublié. Ça, c'est pas grave, on n'a pas besoin de crème solaire. Si, il nous en faut. On n'aura qu'à rester à l'ombre en gardant bien nos chapeaux sur la tête. Quel chapeau? Hé, hey, Bingo, regarde-moi sauter. C'est à mon tour. Est-ce que tu pourrais sortir ça de l'eau? Non, c'est pour que la piscine reste propre, ma puce. Est-ce que je peux avoir mes brassards? Ah, je ne les ai pas pris. Oh, quoi? Tu vas rester en haut des marches, là où tu as pied. Oh, zut alors. Je vais pas pouvoir m'amuser à essayer d'échapper à la chose qui rampe sous l'eau. Papa, tu crois que je suis capable de nager d'ici jusqu'à l'autre bout du bassin toute seule? Oui, tu peux y arriver, j'en suis sûre. Non, tu dois faire semblant de penser que j'en suis pas capable. Oh, pardon. Oh, sûrement pas. Personne n'est assez fort pour nager aussi loin. Regarde-moi. Oh, chérie, je suis désolée. Il ne faut pas que tu ailles dans la partie ensoleillée. Tu n'as pas mis de crème solaire. Oh, non. Ce n'est pas bien grave. Maintenant, attention, ça va mouiller. Un peu plus haut. Encore plus haut. Un peu plus bas. C'est parfait. Oh, l'eau de la piscine me pique beaucoup les yeux. Oui, c'est à cause du chlore. Tu as apporté tes lunettes? Ben non. Ah, d'accord. Alors on va jouer à des jeux sans mettre la tête dans l'eau. Mais j'ai envie de jouer à récupérer des jouets au fond de l'eau. Tu as apporté ces petits jouets? Ben non. Eh bien, dans ce cas, c'est réglé. Oh, zut. Ah, papa. Je veux mes brassards tout de suite. Papa, est-ce que la partie à l'ombre va devenir plus grande ou plus petite? Plus grande, c'est sûr. Je voulais dire plus petite. Je m'ennuie beaucoup. Bonjour, madame, je m'ennuie. Enchantée de vous rencontrer. Moi, j'ai une faim de l'eau. Bonjour, madame, j'ai faim. Je vous présente madame, je m'ennuie. Non, oh, pas facile de vous faire rire. Moi, j'ai vraiment envie de manger. Oh oui, c'est l'heure de prendre un encart. Oui. Mais j'ai oublié d'apporter de la nourriture. Oh non. Vous savez quoi, les filles? Je crois que nous allons rentrer. Non, j'ai pas du tout envie de sortir de l'eau. Allez, tu sors, Bingo. Papa, j'ai trop froid. Eh bien, prends ta serviette, ma puce. Je ne l'ai pas emportée avec moi. Alors secoue-toi. Mais j'ai pas encore appris à faire ça. Arrête, Bingo. Non, j'ai pas du tout envie de sortir de l'eau. Moi, je reste dans la piscine. Je bouge plus. C'est trop dur. Je n'arrive pas à me sécher toute seule. Aide-moi à faire sortir ta sœur de l'eau. Je refuse. Je vais jamais sortir de cette... Papa, j'ai trop froid. Papa, je suis complètement gelée. Papa, j'ai super faim. Papa, moi aussi, je suis affamée. Papa, papa, papa. Bon, stop. Est-ce que vous pouvez toutes les deux cesser de dire papa? Finalement, je trouve notre papa plutôt casse-pied. Maman, elle, est beaucoup plus drôle. Oh, ça fait plaisir à entendre. Maman. Je vous apporte toutes les affaires de piscine que vous avez oubliées. Oui. Oh, bebacaio. Les choses si ennuyeuses sont parfois importantes, non? Oui. Maman a apporté tous les jouets. Oui. Je l'ai ramené. Très bien, vous êtes prêtes à faire la torpille, les filles? Oui, je suis prête. Tu ne pourras pas m'attraper, petite chose rampante. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que t'as parlé d'un cours de danse classique.